mes matchatons, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je vous emmène, on va commencer aujourd'hui, on est samedi après-midi. Et je vais aller voir à la boutique du triathlon à Clamart ce qu'ils ont à me proposer en termes de vélo. C'est parti. J'ai 7 minutes à attendre et je viens de repérer un petit café. On va voir si je peux en partir un petit matcha. Les matchatons, pas le meilleur matcha de ma vie, mais l'endroit est sympa, les gens sont sympas, et du coup j'ai loupé mon bus, logique, donc j'attends 10 minutes le prochain. Les matchatons, je vous ai pas raconté, j'ai trouvé mon vélo, oh, je suis trop contente. J'ai craqué un peu mon string sur le budget, je l'ai pas physiquement avec moi parce qu'il sera prêt dans la semaine et je pourrais aller chercher dans 3 semaines parce que les 2 prochains week-ends je suis à Reims, bref. Et vu que c'est à 1h15 du taf, c'est compliqué, enfin on verra. Du coup j'ai pris un Scott, si ça vous parle, en carbone, voilà, et ils m'ont fait un prix, il était à 2200, ils me l'ont fait à 2000. Voilà, c'est pas forcément très intéressant. Trop bon conseil, du coup je suis allée à la boutique du triathlon à Clamart et vraiment genre je recommande à 1000%. Je l'ai testé, c'était adorable. Ils sont foutus de ma gueule parce que j'ai mes chaussons Hug. Pas ouf pour tester un vélo. Voilà, ma tatante, trop contente. Trop hâte de partir avec vous faire des sorties vélo. Ah ouais? Bon, tu sais jamais, hein. Vous avez plus de pistache? Non. Ça donne envie, hein. Coucou les matchatons. Coucou les matchatons. Alors, on devait aller goûter le flan à la pistache de chez, comment on dit, Nelo. Ouais. Avec Eugénie. Finalement, il n'y en avait plus, du coup, on se rabat sur la vanille. Oh, c'est là, trop bon. Oh, c'est bon. C'est crémeux. C'est très vanillé. Ouais. Tu testes le marbré? Je pense que le marbré, ça va être un peu décevant, effectivement. Moins bon. Pas mal. Ah, c'est vrai? Mais... ouais. Tu apportes pas un truc de fou, le chocolat. Et la pâte? Bonne. Pas très présente, c'est ça qui est pas mal. Mais je pense qu'elle est un peu feuilletée, ça a l'air pas mal du tout. Merci, bonne dégustation, les matchatons. C'est un vin, un hydromel. Un hydromel à base de jeûne. Okay. Vous connaissez pas le jeûne? J'ai pris une paire de moquettes. Il est mieux? Oui, bien. Ah, il est dehors. Et il est dehors. Même si ça se passe un truc, je peux pas. Ce sera pas quelqu'un de sérieux. Donc,
l'année dernière, on a fait plein de bons plans, comme ça on a mangé. T'as vu ce qu'elle a ramené? C'est vrai qu'ils étaient pas ouf. Des trucs particuliers, non? Ouais. C'est vrai. J'attends. J'espère que vous allez bien. Je viens de finir ma séance de fractionné qui aujourd'hui est un tempo, chose que je déteste. En gros, c'est endurance fondamentale pour commencer. Et après, c'est genre 3 km à 5,15, 3 km à 5, 3 km à 4,55 et 2 km à 4,50. C'est vraiment un truc sur lequel je suis, je l'avoue, nul. Et j'ai du mal à progresser. Je préfère les 12 x 400, vers les sprints. Et après le repos, j'ai un peu de mal avec, avec le tempo. Bref, j'ai quand même fait les 13 km, c'est juste qu'à la fin, j'ai changé les tempos contre des répétitions de 200, histoire de quand même rester en mouvement et rester quand même sur mes jambes tout le long du truc. Voilà, donc jamais abandonner, ce qui compte c'est les kilomètres de fait pour les marathons. Et de ne pas abandonner, de continuer à bouger quoi qu'il arrive. Ouais, je vais essayer de prendre un petit Vélib pour rentrer. Mes matchatons, j'ai fait un petit, qu'on appelle ça, iced chai latte. Du coup j'ai fait un chai normal, dans mon mousseur à lait j'ai mis un mélange de lait de vache et lait de soja, j'ai mis un tout petit peu de miel et de la cannelle et des glaçons. On va voir ce que ça donne. Ce sera bon. En vrai je m'attendais à pire. Vraiment c'est pas mal. Ça manque un peu de crémeux mais très 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 bon. Je vous fais le plus petit retour de course de l'histoire des retours de course. Vraiment, j'avais envie d'aller me balader, du coup, jusque chez Monoprix, très intéressant. J'ai pris du lait de soja, du beurre de cacahuète parce que j'en avais plus du tout. Mes céréales que je prends tout le temps parce que j'en mange un paquet par semaine. Du tofu parce que ça dépanne toujours. Et en vrai, on peut le faire avec tout.
Et j'ai acheté du cottage cheese parce que j'aimerais bien tester la trend TikTok, Insta que tout le monde a vu, c'est mélanger du cottage cheese avec des œufs. Alors on mixe, après on met sur normalement au four ou sur une poêle ou dans l'air fryer, on verra. Et ça fait une espèce de wrap, de galette. Et dedans on met ce qu'on veut, donc je me dis que ça peut être pas mal comme petit déj protéiné. Je me suis dit que j'allais filmer une petite recette avec vous que j'ai jamais testée, dont je vous avais parlé je crois la semaine dernière et que je voulais faire. Donc on va tester ensemble. On va faire un overnight oats façon bounty. Première chose que je vais faire, c'est faire fondre. Donc là j'ai mis 40 g de chocolat noir pâtissier avec une demi-cuillère à café d'huile de coco que je vais mettre au micro-ondes. Pendant ce temps-là, dans mon contenant, j'ai pesé 40 g de flocons d'avoine. On va essayer de ne pas en mettre partout, si c'est possible. Une scoop de whey à la vanille. On essaie de ne pas en mettre partout aussi. Nickel. Des fèves de cacao concassées pour le côté chocolaté et pour apporter un peu de croquant. Là, vous dosez comme vous avez envie, moi j'aime bien ça. Là, j'ai mis 15 g de noix de coco râpée. Du fromage blanc 0%. Je vais pas peser, mais on va faire en... On appelle ça. En cuir à soupe. Je vais commencer par en mettre... Une, et deux, et trois. Trois grosses cuillères à soupe. Et je vais ajouter un petit peu d'eau pour pouvoir mélanger. Pareil, vous faites à l'œil et selon la consistance que vous aimez. Je commence avec ça. Et là, on mélange. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà. Et je vais le laisser prendre 10 minutes au frigo pour que ça refroidisse bien, comme ça la couche en chocolat, elle pourra directement figer sur le mélange. Ça a eu le temps de prendre un peu au frigo. On va se mettre notre petit chocolat noir qui a fondu au micro-ondes. Ça va créer une couche qui va durcir dans la nuit au frigo. Et on va se remettre un tout petit peu de coco râpé. Je mets ça au frigo toute la nuit et on dégustera ça ensemble demain matin. Coucou les matchatons, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de crash tester notre petit overnight oat bounty. C'est parti. On ouvre. On va essayer de se casser la coque en chocolat. Elle est massive. Elle est peut-être un peu épaisse, la coque en chocolat. Ce serait très bon. On sent vraiment bien la noix de coco. Et les petites fèves de cacao. Avec la nuit et l'humidité qui ont un peu relâché de leur saveur. Franchement, hyper bon. Je vous recommande à 1000% de faire ça. On va vous prendre. Everybody needs a lot of help, yeah. Go party.
veux des tomates. Elles sont... Il faut que tu ailles. Coucou les matchatons. Vous êtes en équilibre instable sur une crème pour le corps et un toner à la rose. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai rien filmé parce que j'étais en télétravail chez mes parents, donc rien d'intéressant du tout. Ce midi, on a mangé du poulet avec des navets et des pommes de terre. Top. Et après, je suis allée chez la dentiste. Top, également. Petite journée self-care. Et après, je suis passée chez Decathlon pour racheter des vivres, des petites pâtes de fruits que je connais bien et que je digère. Vous êtes tombés, mais on vous a rattrapé. Des gels, caféinés mais pas caféinés. Des petites compotes bien dosées en sucre. J'ai acheté également du gel anti-friction. Parce que j'ai des petites... à cause de mes brassières, je sais pas, je fais des plaies là en dessous. Et au-dessus ici. Et j'ai pas encore défini mon short du jour de la course. Donc demain je vais en essayer un, donc je vais mettre du gel. Parce que je vais pas remettre le cycliste que j'avais mis au marathon de Paris, parce qu'il m'a trauma. Voilà, on verra. Et j'ai également acheté ce petit socle pour mettre sur mon vélo. Avec une pochette pour mettre le téléphone imperméable. Voilà. Ça, je vais pouvoir aller chercher mon vélo un jour. Mettre ça dessus et ne pas me perdre, parce que c'est ma principale peur. Et là... on va se coiffer un peu parce que là je hais mes cheveux. On va aller en ville. Parce qu'il faudrait que je me trouve une sorte de scotch. J'ai un mariage le week-end prochain. Et j'ai prévu deux tenues sans soutien-gorge. Il faudrait du scotch déjà pour cacher et pour tenir. Voilà. On va aller chercher un petit goûter aussi. Et après, rendez-vous chez le coiffeur. Trois options chez le coiffeur, soit je coupe mes cheveux là, mais ça va pas être très pratique du tout pour le sport, à voir ce qu'elle va me dire. Soit on fait comme d'hab, on rattrape ma couleur naturelle et on enlève là ces mèches blondes qui reviennent. Soit je voulais partir sur du roux, mais j'aimerais savoir ce qu'elle va me dire. Déjà ça va m'aller, ça va pas encore me niquer les cheveux, ou des teintes de roux. Voilà, vous aurez la surprise en sortant. Pas de soucis. Bonjour. Je vais vous prendre un pumpkin spice latte DK. Ok, pas de soucis. Avec, vous avez quoi comme lait? J'ai avoine, amande, coco. Avoine. Et une babka au chocolat, s'il vous plaît. Sur place. Sur place. Ça paraît super foncé, super violet, non? Cette couleur, c'est un peu violet. Coucou mes matchatons, je voulais vous faire un micro haul de ce que j'ai acheté tout à l'heure chez Normal. Du coup je cherchais une espèce de ruban adhésif pour mettre dans des tenues quand on peut pas mettre de soutien-gorge. Du coup j'ai trouvé ça. On peut le mettre dans plusieurs positions. Voilà, pour le mariage la semaine prochaine. Je suis retombée sur mon déo habituel que je ne trouve que là-bas et chez Carrefour. Qui est trop bien. Et j'ai vu d'ailleurs une fille, une anglaise que je suis, Sid Grose, je pense que vous la connaissez ou pas, qui utilise ça en gel anti-friction. J'ai essayé une fois, je sais pas si vraiment ça fait une différence, mais voilà. Bon à savoir, il y avait un nouveau dupe des gouttes Drunk Elephant. Du coup j'ai pris pour tester, j'ai pris la teinte la moins foncée.
En vrai, ça a l'air pas mal du tout. Du coup, à mélanger avec sa crème de jour. Et je cherchais un vernis un peu couleur automnale. Au début, je voulais un chocolat, mais il n'y avait pas. Et du coup, je suis tombée sur un rose un peu bordeaux, comme ça. Oh, mes matchatons, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, envoyer la chaîne à vos amis, à vos familles, à vos collègues, à la vendeuse, au caissier, à tout le monde. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.